Kashmir hills filled with evergreens, flowing from the clouds down to meet the sea with the granite cliff as a referee. Crimson sunsets and golden dawns, a mother deer with her newborn fawns, all under Big Sur skies. That's where I belong. Big Sur, I've got plans for you. Me and mine are going to add ourselves to your lengthy list of lovers and live in canyons covered in springtime green, wild birds and flowers to be heard and seen. And with my old guitar, I'll make up songs to sing. We're bubbling springs from the mountain side, join the Big Sur River to the ocean side, where the kids can learn for seashells at low tide. Big Sur, my astrology, it says that I am made to be where the rugged mountain meets the water. Salut, j'ai envie de parler un peu, ça va peut-être être long, donc je vais faire de la découpe de stickers en même temps. Vous pouvez prendre cette vidéo un peu comme un podcast, enfin il y a des fois où je vais montrer quelques images quand je parle de choses, mais la plupart du temps je vais juste parler et on va voir découper des trucs, donc vous pouvez le prendre un peu comme un podcast et dessiner en même temps ou faire autre chose. J'ai envie de faire une vidéo depuis un moment, mais ça va être tellement décousu, j'ai aucun fil conducteur dans cette conversation. Mais voilà, donc ça fait genre plus d'un mois que j'ai pas sorti de vidéo. J'ai plein de choses que j'ai envie de montrer et dont j'ai envie de parler. Mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas si facile, j'ai pas encore réussi à intégrer la vidéo dans mon travail, alors que c'est un format que j'aime beaucoup et j'aime bien partager mon travail en vidéo. Et enfin voilà, jusqu'à présent, les vidéos que j'ai faites, je suis contente et j'aime bien revenir dessus régulièrement, regarder par où je suis passée. Et encore, enfin j'en fais pas depuis très longtemps et j'ai pas montré mille choses non plus. Mais voilà, donc mon but ce serait vraiment d'en faire plus. Mais je pense que filmer au quotidien c'est pas toujours facile, et surtout filmer sur une longue période c'est pas... ça fait un peu peur parce qu'après tu te retrouves avec plein de rush, c'est complètement décousu, c'est des petits morceaux de vidéo sur des trucs qui n'ont rien à voir. Ça fait des bons vlogs, mais par contre à monter c'est une galère, c'est long, c'est fastidieux, tu sais pas par où commencer, t'as l'impression que ça n'aura aucun intérêt et aucun sens. Finalement je vois qu'à chaque fois en fait ça marche et ça fait une sorte de vlog un peu avec plein de choses différentes, mais c'est cool. Mais en fait c'est trop éprouvant. Donc je vais essayer de... Enfin, là encore je pense que cette vidéo ce sera un peu dans le même genre. Mais à l'avenir je vais essayer de faire des vidéos un peu plus construites, des trucs où peut-être je prends ma caméra, je me dis que je filme sur un truc bien précis, je prends des petites notes et voilà, et je fais une vidéo sur un thème que je filme en une après-midi et que je poste et que je monte dans la foulée quoi. Ce serait moins stressant. Donc voilà, je vais faire une petite mise au point sur ce que je fais en ce moment, sur où j'en suis et tout. Là du coup je suis en train de préparer mon deuxième marché de Noël, enfin un marché de créateurs, parce que du coup le week-end dernier j'étais au marché de Noël du Tank,
Le Tank, c'est un espace de coworking à Paris. Et donc en fait, moi j'étais allée à ce marché de Noël il y a 2 ans maintenant, je crois. Et j'avais pas du tout, enfin j'étais pas encore vraiment lancée dans... Enfin je me disais que j'avais très envie d'être illustratrice, mais j'étais pas encore vraiment lancée quoi. Et quand j'y étais allée il y a 2 ans, j'avais adoré et en fait je m'y étais imaginée. Je m'étais dit, oh là là, mais le jour où je vais pouvoir tenir un stand avec mes dessins et avec, je sais pas, tout préparer, les choses, des choses que je vais vendre et que j'ai fait avec le cœur et tout, enfin c'est... Je m'y suis vraiment, ça m'avait vraiment fait rêver. Et puis du coup, à cette occasion, j'avais parlé avec plusieurs personnes qui exposaient, notamment Estine Coquerel et Joanne Licard. Ah oui, il y avait aussi Lille Cire Illustration. Les trois, je vous invite à aller voir leur travail. Je vais mettre quelques images là parce que c'est trop cool ce qu'elles font toutes les trois. Et donc ça m'avait trop inspirée de discuter avec elles à l'époque. Et voilà, et donc j'ai fait ce marché ce week-end dernier. Et c'était tellement génial de pouvoir participer à ce marché du début à la fin. Enfin, tout est trop bien. Préparer son stand, préparer ses produits et la mise en place et tout, c'est trop cool. Rencontrer les gens, alors que ce soit les autres illustrateurs et illustratrices présents, donc tu rencontres des nouvelles personnes, tu revois des gens que tu connais un peu, tu échanges, tu vois ce que les autres font et puis tu échanges sur le travail en fait qu'on fait tous tout seul chez nous. Comme des ermites, et on est là à voir les autres sur les réseaux sociaux, à complexer parce que tout le monde a l'air de trop bien s'en sortir. Et en fait, quand tu rencontres les autres, tu vois que c'est pour tout le monde les mêmes galères, et c'est génial parce que du coup, tu peux te donner des conseils et puis tu dédramatises vachement le truc, quoi. Tu te dis, bah en fait, je suis pas toute seule à galérer, c'est pas parce que je suis pas bonne dans ce que je fais, c'est pas parce que. Enfin, on a tous un peu les mêmes problèmes, et bah c'est chiant, faudrait qu'on. C'est beaucoup des problèmes de confiance en soi en fait, donc c'est chiant parce qu'il faudrait se débarrasser de ça et qu'on soit tous plus confiants. Et donc voilà, donc rencontrer tous les autres artistes qui exposaient, c'était trop bien. Et aussi rencontrer les gens qui viennent t'acheter des choses ou même juste discuter avec toi, en fait c'est trop bien parce qu'il y a des gens à qui t'as déjà parlé sur Instagram et là tu rencontres la personne en vrai et c'est trop touchant déjà que la personne vienne te voir à ton stand et tout et puis c'est trop... Enfin tu mets un visage sur... Enfin un demi-visage parce qu'on a les masques, mais tu mets un visage sur les noms et ça devient... Enfin, en fait, sur les réseaux, c'est déjà hyper encourageant, en fait, tous les gens qui t'encouragent et qui te suivent et tout. Mais quand tu les rencontres en vrai, là, tu te rends compte vraiment de la portée humaine que ça a. Enfin, je veux pas en faire trop et tout, mais je suis très dans l'euphorie en ce moment parce que toutes ces rencontres et tout ce projet qui commence à prendre forme, ça met tellement de temps et j'ai tellement eu des périodes de blocage et de remise en question et tout que là en ce moment c'est une très bonne période professionnellement parlant pour moi et donc voilà, c'est très chouette et je conseille vraiment à tout le monde, peu importe si vous vous sentez pas toujours prêt à faire un marché. Je pense qu'il n'y a vraiment pas... Moi, j'ai énormément stressé la veille du premier jour de marché, mais vraiment, je trouve que, enfin, faut se lancer, c'est trop important et ça permet vraiment de donner un nouveau souffle, de participer à des événements comme ça. Après, je dis un marché, mais ça peut être aussi... en fait, juste des événements dans la vraie vie où on peut rencontrer des gens qui font le même travail que nous, c'est vraiment super. Et je suis allée aussi il y a 2 jours là à l'enregistrement du podcast Sens Créatif de Jérémy Kleiss. Si jamais vous connaissez pas, je vous le conseille vivement. C'est un podcast qui parle principalement donc, de l'illustration et donc Jérémy Kleiss invite des illustrateurs, des auteurs BD, des graphistes à discuter avec lui et en fait ça aborde beaucoup de problématiques auxquelles on fait tous face. Et donc voilà, il y avait un enregistrement du dernier épisode de la saison 3.
3, il me semble. Et c'était trop bien, pareil, de rencontrer des gens, de discuter illustration, de sortir en fait de son cadre, en fait, de sortir du schéma d'artiste solitaire qu'on a. Voilà, on est tout seul chez nous. Et surtout, de sortir des réseaux sociaux et de dédramatiser un peu ce truc-là, parce que forcément, enfin, même moi, j'y participe, je me rends compte que quand je vais bien, quand je suis productive, même quand je vais pas bien en fait, mais quand je suis un peu productive et que je fais des choses, je les poste en ligne forcément. Et quand je vais pas bien, je poste pas grand chose et je suis là à regarder les autres qui disent qu'ils ont plein de commandes sur leur boutique ou qu'ils ont dessiné ci, dessiné ça, fait telle nouveauté, telle collaboration. Et en fait, tout a l'air d'aller hyper vite. Et moi, dans les moments où je suis un peu en remise en question ou en tout simplement en vague un peu basse, parce que, enfin, je sais pas pour vous, si vous êtes... moi, je marche vachement en haut et en bas. Et donc, je dramatise toujours dans les périodes où je suis un peu en bas, parce que j'ai l'impression de pas créer assez, j'ai l'impression que tout se ralentit et que c'est hyper mauvais. Et donc, voilà, j'ai l'impression que tous les autres, tout va très vite pour eux. Et donc, en fait, de rencontrer les gens en vrai, tu te rends compte qu'eux aussi, en fait, ils ont des hauts et des bas. Et que, voilà, c'est normal qu'on poste tous plus de choses quand on est créatif, productif et tout, mais qu'il faut pas partir du principe que tout le monde l'est non-stop. Et voilà, pour tout ce qui est, pour tous ces événements. Donc demain j'ai un autre marché qui est le marché Grande, genre Grande, qui est un marché de créatrices au pavillon des Canaux à Paris. 19e, et c'est trop cool. Je suis contente de participer à un deuxième marché. J'aurais été triste de m'arrêter à celui de la semaine dernière, parce que c'était trop bien et que en plus, une fois que tu as préparé plein de produits, autant continuer sur la lancée et en faire plus. Et donc là, je suis en train donc de découper des stickers à la main. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je les découpe à la main parce que j'ai pas eu un souci, mais j'ai eu plein de soucis avec ma machine Cricut. Et j'en ai parlé un peu sur Instagram. Je pense pouvoir dire que je vous déconseille d'acheter une machine Cricut. Il y a d'autres machines qui existent, il y a la Silhouette par exemple. Après, je sais pas ce que ça vaut et j'en connais pas d'autres. Mais par rapport à la Cricut, moi plusieurs fois j'ai eu des petits soucis. Alors déjà, il y a des trucs, par exemple... on perd de la place sur les feuilles, on perd de l'espace, on peut pas remplir la feuille. Là par exemple, moi je me suis imprimée, vu que je l'ai fait à la main, tout ça en fait, tous les stickers que j'ai fait là, c'est sur une seule et même feuille A4. Et quand je les faisais avec la Cricut, en fait, j'en faisais pas du tout autant. Sur une A4, j'en faisais moitié moins, mais même, enfin, je devais faire un tiers de ça. Et donc déjà, ça, c'est chiant, parce que le papier à stickers, ça coûte cher. Et puis du coup, ça prend du temps en plus, parce que tu dois à chaque fois changer de feuille entre... tu dois imprimer ta feuille, la charger sur le tapis, attendre que ça découpe, décharger délicatement, enlever les stickers et remettre une feuille, etc., etc. Donc déjà, ça prend du temps, c'est assez chronophage. J'ai pas une énorme production de stickers et tout, mais pourtant déjà, je trouvais ça un peu embêtant parfois. Ensuite, j'ai eu plusieurs fois des petits bugs, des trucs, la lame qui déchirait un peu le papier, des pertes du coup de stickers, et au prix que ça coûte, c'est dommage. Mais bon, après ça reste super, super cool comme machine, et ça permet de faire des découpes très précises, et c'est trop bien. Mais là, récemment, j'ai eu des bugs qui font que... enfin là, je peux plus l'utiliser. Il y a eu une mise à jour de l'application. L'application qui sert à imprimer puis découper les stickers. Et depuis, alors je sais pas si c'est lié à l'application, mais enfin j'ai rien changé d'autre, donc je pense que c'est ça. Ça imprime flou en fait. Quand j'imprime via l'application Cricut, ça imprime un peu flou. C'est léger, mais moi je le vois, et c'est pas une production personnelle, c'est des choses que je vends, donc j'ai pas envie de vendre des stickers qui sont un peu en mauvaise définition. Donc déjà, c'était embêtant. Il y a eu ça.
Après, j'avais une sorte de hack, j'avais suivi un hack, je mettrai d'ailleurs un lien dans la description si vous avez une Cricut, c'est toujours utile d'avoir ce hack, pour mettre le plus de stickers possible sur une seule et même feuille. Et depuis que l'application a changé, ça marchait plus. Donc j'étais obligée de revenir au truc où j'en mettais très peu sur une feuille. Et je crois que c'est tout. Je crois qu'il y avait eu un troisième bug. Ah oui, qu'est-ce que c'était? Je crois qu'il y avait eu un troisième bug. Je sais plus ce que c'était. Mais bref, en tout cas, l'enchaînement des choses, c'était quelques jours avant le marché. Et j'ai eu tous ces bugs-là. J'ai passé du temps avec le service client au téléphone. Et ils ont pas pu faire grand-chose pour moi. Et en fait, j'étais dégoûtée, j'avais envie de préparer plein de stickers pour les marchés. Du coup, bah, j'ai laissé tomber. Je me suis pas repenchée sur le sujet depuis parce que j'ai pas du tout eu le temps. Ce que je fais du coup, c'est que j'ai enlevé les stickers avec les découpes les plus compliquées sur mon site. Et j'ai gardé ceux qui ont des formes simples, bah, comme le crayon, comme l'onigiri japonais. Et qu'est-ce que j'ai gardé d'autre? Enfin, j'en ai gardé 3-4 que je découpe à la main du coup, mais les découpes plus précises, j'ai même pas envie de m'y pencher parce que je sens que ça va pas être très propre et j'ai pas envie de ça. Donc voilà, il faut que je réfléchisse à une autre façon de faire. Alors soit je me repenche sur le problème Cricut, j'arrive à régler ces soucis-là et voilà, et je continue comme ça. Mais sincèrement, je suis plus tentée par l'option de la revendre et peut-être bah, du coup découper quelques stickers à la main comme ça. Et quand il y a des formes peut-être plus compliquées, les commander sur des sites style Sticker App ou ce genre de site pour créer des stickers. Mais voilà, je suis un peu triste parce que je suis très contente de cette machine au début et donc c'est dommage. Il y a peut-être des gens qui ont des meilleures expériences avec et qui n'ont pas tous ces soucis et tout. Après, sincèrement, autour de moi, j'ai quand même entendu pas mal de gens râler autour de ce sujet-là, en fait, de la Cricut. Je crois qu'il y a quand même pas mal de bugs différents et que c'est frustrant, en fait, quand t'es là, tu payes du papier cher et que ça te déchire tes stickers ou alors que ça coupe à côté en décalé. Ça, j'ai pas trop vu pour le coup, mais bon, je crois que ça existe pas mal, enfin, ça le fait à pas mal de personnes. Voilà, du coup sur la boutique là j'ai mis plein de nouveaux produits que j'avais fait pour les marchés et que j'ai mis en ligne cette semaine pour les gens qui ne peuvent pas venir au marché ou qui habitent pas à Paris. Notamment ces petites fortune cards qui ont bien marché. Et je suis très contente parce que j'étais contente de cette idée. Je vais expliquer ce que c'est, même si je l'ai déjà expliqué sur Instagram et tout, mais on sait jamais s'il y a des gens qui ne suivent que ici sur YouTube. Donc c'est des petites enveloppes comme ça. Allez, mise au point. Des petites enveloppes comme ça. Donc j'ai dessiné à la main sur chaque enveloppe pour avoir des designs différents parce que j'avais envie et parce que j'ai du temps à perdre apparemment. Et donc en fait dedans vous pouvez trouver, je vais en ouvrir une pour vous montrer, vous pouvez trouver une petite carte qui ressemble à ça. Donc voilà, c'est une carte de 7 sur 10 cm avec mon petit logo derrière. Et donc vous avez 7 dessins, 7 illustrations différentes avec 7 symboles différents. Là j'ai mis dans chaque enveloppe une petite carte comme ça pour montrer les différents symboles et leur signification. Je me suis inspirée à la fois des fortune cookies avec ces petits gâteaux asiatiques. Je crois que c'est censé être chinois, mais en fait apparemment ça a été inventé sûrement par les Américains ou un truc comme ça. Bref, donc les fortune cookies qui sont des petits gâteaux avec un message de chance ou un petit conseil dedans. Je me suis inspirée un peu de ça et des cartes de tarot. Et pour faire une carte de fortune 2022 en fait, donc selon le symbole sur lequel vous tombez, c'est un peu sous quel signe sera votre année 2022. Et voilà, après j'ai mis des nouveaux prints sur la boutique, j'ai fait 4 nouveaux prints. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, et le pack de cartes, les consolantes.
pareil, je veux pas tout réexpliquer, mais vous pouvez les voir sur, Instagram si ça vous intéresse et sur ma boutique. Voilà, du coup le mois de décembre il est chargé parce que donc j'ai ces deux marchés. J'ai une exposition au Café CC, donc, qui est un coffee shop dans le 12e, où j'ai accroché mon travail, il y a quelques petits trucs à vendre, et donc je devais faire un vernissage, finalement j'ai dû l'annuler, mais normalement il va être reporté pour janvier, je tiendrai au courant de la date exacte. Par rapport à, je crois que la dernière vidéo que j'ai faite, l'avant-dernière, c'était par rapport à mon boulot alimentaire. Je n'en ai plus. Pour diverses raisons, je ne pouvais plus travailler où je travaillais avant. Finalement, c'est plutôt bien tombé parce que c'est une période où il y a quand même pas mal de choses niveau illustration. Donc voilà, jusqu'à présent, donc j'ai arrêté d'y travailler il y a un mois ou deux mois. Jusqu'à présent, ça va, je m'en sors. En fait il va falloir que pour janvier je trouve un autre job alimentaire ou alors que je trouve j'ai encore un peu d'allocations chômage qui peuvent me permettre de vivre les mois où j'ai moins d'argent par rapport à l'illustration. Donc voilà, il va falloir que j'avise un peu par rapport à cette situation. Je pense qu'en janvier je vais essayer de ralentir un peu, à la limite de me concentrer sur les vidéos YouTube. J'ai quelques idées de vidéos que j'ai envie de faire. Je veux bien que vous me disiez d'ailleurs dans les commentaires lesquelles vous intéresseraient le plus en premier. Enfin, potentiellement je les ferai toutes. Je suis hyper optimiste alors que j'ai tellement de mal à faire de la vidéo ces derniers temps. Mais donc, qu'est-ce que j'avais comme idée? Je crois que j'en ai noté pas mal dans mon bloc-notes. Je vous les liste et vous me dites... Vous me dites lesquelles vous intéressent particulièrement, peut-être que du coup je commencerai par celle-là. Ah oui, alors ça c'est une idée que j'ai depuis longtemps, j'ai envie de faire une vidéo de peinture. En fait j'ai acheté des toiles pour peindre, j'ai jamais peint sur des toiles, j'ai toujours peint sur des feuilles. Et il n'y a pas longtemps il y avait eu une promo chez Bosna sur les toiles, et donc j'en ai acheté 3. Et j'avais envie de faire de filmer la fois où j'allais peindre sur une toile, vu que ce serait la première fois, je trouvais ça intéressant de filmer le process, parce que j'ai l'impression que ça va être assez différent de peindre sur une toile que sur une feuille. Après je voulais faire un tour de mon bullet journal, un bullet journal que j'ai arrêté maintenant parce que j'ai un agenda, mais que j'ai tenu sur pendant pas mal de temps. Après il y a peut-être des choses un peu personnelles, donc il faudra que je regarde, que je ne doive pas flouter toutes les deux pages, ce sera un peu long. J'avais envie de faire une vidéo sur le papier, sur mes papiers préférés et leurs différents usages. Du coup vous montrer un peu ce que j'utilise. Je voulais parler des papiers pour l'impression et des papiers pour peindre ou pour dessiner, les cahiers que je préfère et tout. Voilà, vous donner des... vous montrer un peu différents types de papier. Je voulais faire une vidéo aussi sur l'impression, ça je l'ai pas noté, mais ça je crois que ce sera la première que je vais faire parce que il y a pas mal de gens qui me demandent et qui sont intéressés par ce sujet, c'est l'impression à la maison. Parce que du coup moi pour ma boutique j'imprime tout de chez moi et c'est vrai que je suis très contente du résultat. Donc j'aimerais bien vous donner, vous faire une petite vidéo pour donner les tips. Enfin après je suis pas non plus, je suis pas une experte, j'ai bidouillé plein de petits réglages et tout, donc j'imagine que c'est vraiment propre à chacun selon l'imprimante. Mais je pense que j'ai quand même quelques petits tips à partager, donc je ferai ça bientôt. Et ensuite, dernière idée de vidéo, c'est les livres sur l'illustration. Chez moi je commence à avoir pas mal de livres autour de l'illustration, alors que ce soit des choses inspirantes pour dessiner, que ce soit des livres sur le statut d'illustrateur ou d'illustratrice, les livres qui donnent des conseils, ou les choses de développement personnel en tant qu'artiste, tous ces trucs là. Voilà, je voulais faire un petit tour de ces bouquins que j'ai chez moi. Et voilà, je vais arrêter mon petit blabla là, je crois que ça fait déjà 30 minutes que je parle, je commence à avoir soif.
Et en plus, ça fait 30 minutes que je parle et je me rends compte que j'ai pas du tout mis de micro. Je filme, enfin c'est le micro de l'appareil photo, j'espère que ça va pas être trop catastrophique. Désolée si c'était pas agréable, surtout que c'est la vidéo où je parle le plus, alors j'espère que c'est pas trop catastrophique au niveau du son. D'habitude je mets soit un bon micro, soit au moins mon téléphone. Dans tous les cas, je pense que je vais la publier parce que j'ai pas parlé 30 minutes pour rien. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais surtout bosser parce que là il est 21h30 et que j'ai encore plein de choses à imprimer, plein de choses à emballer pour demain. Il faut que je sois à 9h15 dans le 19e. Il faut que je me lave les cheveux ce soir et que j'imprime plein de trucs. Je suis pas couchée. Bah merci si vous avez écouté jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, à mettre un pouce vers le haut, pas vers le bas, si vous avez aimé. Et comme ça, vous pourrez rester au courant des prochaines vidéos que je vais faire très bientôt, j'espère. Salut! Crimson sunsets and golden dawns, a mother deer with her newborn fawns all under big Sur skies. That's where I belong. Big Sur, I've got